Eh bien bonjour à tous les amis, c'est GX. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing assez spécial, on va dire. Car voilà, la particularité de ces colis, c'est que bah en fait ils sont bizarres et je vais vous expliquer tout ça pourquoi. Enfin pourquoi il y a ça et ça. Alors c'est parce que, je vous dis d'office, c'est parce que je crois que c'est une batterie. Dans ça il y a une batterie, du coup c'est un peu dangereux. Et ça je sais pas pourquoi, je crois que c'est un autre truc. Mais bref, du coup bah, ce sont des colis un peu spéciaux, bon on va les ouvrir. Ça vient de la part de Okay, normalement si je me trompe pas. Je sais qu'il m'avait envoyé des colis pour que je les ouvre. Deux colis, donc je crois que c'est eux, bien sûr. Je crois que c'est eux, donc voilà. Voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien. Moi ça va être plutôt super, vu les abonnés qu'on prend en ce moment. Je vais vraiment super bien et je suis très motivé à l'idée de faire beaucoup de vidéos, sincèrement. On va dire que je prends environ 300 abonnés par jour et ça c'est super. Je peux même vous montrer les statistiques maintenant. Voilà, ça a commencé par là, hop. Et là on a fait tout ça les mecs, c'est énorme. Merci infiniment. Et merci à tous ceux qui le feront. Voilà, prenez deux secondes pour voir si vous êtes abonné ou pas. Et si c'est pas déjà fait, je vous incite vraiment à vous abonner. Vous êtes la bienvenue sur ma chaîne YouTube si vous ne me connaissez pas. Je fais souvent des unboxings, des vidéos assez what the fuck, assez drôles. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à vous abonner les mecs. Si vous le faites pas maintenant, vous allez oublier. Donc voilà, abonnez-vous tous et on rush les 100 000 abonnés bien sûr les mecs. Par contre, du coup, c'est un peu chelou à ouvrir. Ok, ouais, c'est assez compliqué à ouvrir. Vraiment, le truc orange là, ça me fait galérer. Est-ce que on filme bien? Oui, on filme bien. Ça me fait galérer un petit peu, mais voilà. On va l'ouvrir. Hop. Ok. Donc il est vraiment assez petit. Je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est... enfin, on m'a dit que c'était des accessoires pour téléphone. Donc voilà. Ça fait des accessoires pour téléphone. Ça, je pense que c'est une certitude. Et du coup, ça, c'est aussi écrit. Enfin ouais. Du coup, il y a une batterie dans ça. 500%, c'est une batterie rechargeable, je crois. Ok. Donc ça fait un peu chier des trucs comme ça là, parce que du coup, on peut pas ouvrir bien. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons ici, les amis? Bien sûr, un colis de Okay. Voilà. On va mettre les cartons derrière. Alors, nous avons ces deux petits colis. Donc voilà, ce sont des trucs assez simples. Voilà, visuellement, c'est du carton. Enfin, il n'y a pas trop de couleurs et tout. C'est leur particularité. Et voilà. Bah, en tout cas, bah, personnellement, j'aime bien leurs produits. Je sais que j'avais acheté un clavier. Enfin, j'avais demandé un clavier chez eux. À Switch bleu pour 30 euros. Et j'étais super impressionné parce que c'était vrai en plus. On pouvait vraiment acheter un clavier pour 30 euros à Switch bleu. Voilà. C'est une marque avec qui, bah, je communique depuis assez longtemps, on va dire. Je la connais depuis assez longtemps. Toutes les informations sur cette vidéo seront dans la description concernant tout ce qui est sponsorisation et tout. Et plus généralement, je pense que je vais peut-être mettre un truc en place parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de me découvrir et qui savent pas trop comment je fonctionne et tout, si je fais beaucoup de choses sponsorisées ou pas. Parce qu'il y en a plein qui me disent, ouais mais genre avec tous ces unboxings là, c'est que du full rémunération par des marques. Alors que presque pas, enfin je veux dire, à part peut-être le clavier, je sais même pas s'ils m'ont payé ou pas. Mais bref, enfin c'était un peu du bénévolat on va dire. Mais voilà, le clavier pro Switch rouge. Et sinon, bah il y en a quelques-unes, mais voilà, c'est pas flagrant, c'est pas chaque vidéo, donc voilà. Mais je considère que, enfin, si je le fais sur des unboxings, ça dérange pas trop, vu que c'est le thème de ma chaîne. C'est pas comme si je présentais un jeu mobile ou quoi, donc voilà. Bref, continuons à ouvrir ce colis. Ok, on va l'ouvrir avec le petit couteau CSGO. Ouais, du coup, j'ai dit, je crois, il y a quelques mois, ouais, je vais vous unboxer le couteau que j'ai, mais au final, je me suis dit, c'est une mauvaise idée, parce que s'il y a des enfants qui achètent ça, et qu'après ils se blessent, bah, moi, je me sentirais très très mal. Hop. Et on enlève le petit plastique autour pour ne laisser que le carton. Ok, donc ce truc là c'est très très léger. Et ça c'est assez lourd. Je pense que ça fait 1 kg, je pense. Je sais pas du tout. Mais je pense que ça fait pas loin de 1 kg. En tout cas, voilà. Donc les mecs, n'hésitez pas à me proposer des idées de colis what the fuck que je pourrais ouvrir et acheter sur ma chaîne pour vous les ouvrir et bah, expérimenter des choses sur ma chaîne YouTube. Par exemple, des colis what the fuck, mais n'importe quoi, genre des objets Amazon what the fuck, mais trouvez un petit peu et dites-le moi. Et bah, je prendrai en compte tous vos commentaires pour pouvoir simplement bah, poser un maximum de contenu. Ok. C'est très très simple à ouvrir. Même l'objet en soi, là, il est très très simple. Donc voilà, il y a un chargeur, mais il n'y a pas la prise USB. Je ne comprends pas trop. Toujours le petit autocollant OK. Donc je vous montre en fait comment ça fonctionne ça. C'est tout simple en fait, j'avais pas compris. Et au final voilà, c'est OK, OK, voilà. Vous avez compris, vous la collez là. Et voilà. Bref, la petite notice, donc voilà. Je trouve ça assez compact là, c'est déjà un casse-tête. Un petit peu l'unboxing là du truc. Je trouve que bah, il n'y en a pas trop pour ce que c'est. Genre c'est grave bien. Niveau packaging, je trouve ça un peu écologique on va dire, genre c'est pas non plus des tonnes et des tonnes de cartons, de machin et tout. Ça va un petit peu, donc on va ouvrir du coup la batterie externe, on va essayer de comprendre quand même ça, l'utilité de ça. Parce que je ne sais pas du tout ce que c'est l'utilité de ça. Je vais voir ça, mais je sais pas. En tout cas, on a simplement ça, même si j'ai arraché ça,
Il y a la petite... Non, le petit chargeur portatif, mais j'arrive pas à parler. J'ai dit le chargeur portatif, c'est grave. Ok, donc je vais vous montrer avec ce fil, justement. Du coup, il y a le chargeur externe, voilà. La batterie externe. Oh là là, ça va pas très bien en ce moment. Hein. Donc voilà, je trouve ça cool. Très simple, en tout cas. Je trouve ça très très simple, leur packaging. Donc voilà, encore une clé qu'on va ouvrir. Enfin, qu'on va ouvrir. Qu'on va décoller, voilà. Et je sais pas où est-ce qu'on va la coller. Ça, je suis en train de penser, les mecs, j'ai retrouvé des centaines d'autocollants. Je dis pourquoi pas les coller sur quelque chose à chaque fois que je fais un unboxing. J'ai des autocollants, donc voilà, à chaque fois, je pourrais les mettre sur un truc, faire une collection un peu de beau. Bon, en tout cas, voilà, on va prendre ça. Et est-ce qu'il y a... Ah oh, ouais, ok. Et voilà, il y a beaucoup de prises. Il y a 3 prises USB et 2 autres petites prises pour les branchements. Bah, ça va être assez cool, même si personnellement, mon téléphone se décharge pas en une journée. J'ai un Galaxy S8 avec lequel je suis en train de filmer actuellement. Et bah, je peux vous dire que je l'ai jamais trop déchargé. Ok, donc là, on peut voir les petites lumières. Ça, c'est assez cool. C'est déjà chargé. Ça, c'est super. Ok, donc c'est pour ça que je pense que c'était un peu dangereux ou quoi. Donc, on va simplement... brancher ça et après brancher mon téléphone dessus. En tout cas, c'est assez simple, ok. C'est assez transportable si vous avez un sac. Par contre, dans la poche, ça va être un petit peu trop chaud. Je sais pas combien de fois ça recharge un téléphone ou quoi. Ok, donc en tout cas, le design sobre, simple. On peut bien voir le design là. On va enlever les petits cartons, hop. Ensuite, il n'y a pas beaucoup de détails. Il y a aussi, enfin justement, on va dire. Du coup, il y a ici pour voir un petit peu la batterie, si elle est chargée ou pas. Là, je sais pas ce que ça signifie, mais à mon avis, elle est chargée. C'est pour ça que j'ai eu ce colis dans cet état-là, en mode avec l'étiquette et tout, pour dire attention quand même, frère, ça peut exploser. Donc voilà, assez cool. Et après, cet objet, du coup, la particularité, en fait, c'est que, bah, en fait, c'est comme ça. Et je sais pas, regardez, je sais pas parce que... Attendez, on va juste enlever ça, ça c'est super satisfaisant. Bougez pas. Ah ouais, super clean. Là on va me voir limite. Et ensuite en fait il y a le fil, mais je sais pas à quoi ça sert gros. Je fais comment avec ça? Ah le con. Ok, ok. Oh là. Non mais c'est pour simplement brancher ici je... Voilà. Et ensuite tu peux la brancher tout simplement à une prise murale pour ensuite charger ta batterie externe qui pourra charger ensuite ton téléphone. Ok, mais voilà, je sais pas combien ça a coûté, mais je pense pas que ce soit excessif. Donc tout sera dans la description si vous voulez. J'ai jamais eu d'objet comme ça, on va dire, enfin de batterie externe. J'ai vraiment, je n'ai jamais eu l'utilité ou genre voilà, je n'ai jamais vraiment utilisé. Donc voilà, on va le tester. Donc on se retrouve dans 2 secondes. Abonnez-vous, c'est très important. Voilà, et activez la petite cloche. Et pour les fidèles, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Donc voilà, c'est en train de charger. Vous pouvez voir 85%. Je vais voir combien de temps ça prend à arriver un petit peu plus haut. Je sais pas, moi, genre 90. Je vais voir combien de temps ça met. Et on peut voir qu'il est 12h32. Donc voilà, je l'ai mangé. Et on se retrouve juste après pour voir le temps de charge que ça a mis. Donc voilà. Donc voilà, j'ai mis en accéléré et on peut voir que ça défile très très vite. Donc c'est super, donc ça charge rapidement. C'est un très bon point je trouve, parce que sinon ça aurait perdu toute son utilité un petit peu pour tout ce qui est côté pratique et tout. Là franchement c'est super. Donc voilà les mecs, c'est chargé, je sais pas combien de temps ça a pris, mais je pense que c'était pas trop long, donc voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si mon téléphone est un peu sale. Voilà, bisous à tous, merci d'avoir regardé, le lien est dans la description. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je remercierai tout le monde qui s'abonne. Merci beaucoup à tous. Voilà, prenez 2 secondes pour voir si vous êtes abonné ou pas. Et en tout cas, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était JX.